les 7 créatures marines les plus grandes du monde. En regardant un éléphant ou une girafe, tu te diras sans doute qu'ils sont vraiment énormes. Et à juste titre, puisque ces habitants de la Terre sont gigantesques comparés à nous, les humains. Mais si tu veux trouver les vrais géants de cette planète, tu devras vraiment aller dans les océans. Car sans la force de gravité qui les attire vers le bas, les animaux marins peuvent atteindre des tailles inimaginables. En fait, si on les posait sur la Terre, ils seraient carrément écrasés par leur propre poids. Es-tu prêt à découvrir les 7 plus grandes créatures marines de notre planète? Super! Alors continue à regarder. Mais avant de prendre ton équipement de plongée, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne. De nouvelles vidéos sortent tous les jours pour les fidèles de SYMPA. Alors n'oublie pas de faire sonner la cloche pour recevoir les notifications et ne plus rien perdre de nos publications. Plongeons maintenant dans cette liste et commençons par... Numéro 7, la palourde géante. Les palourdes géantes sont les plus gros mollusques du monde. Elles peuvent atteindre environ 1,2 mètre de long et peser plus de 220 kg. Donc si tu as l'intention d'essayer d'en ramasser une, tu pourrais par exemple t'entraîner à soulever 2 bébés éléphants à la fois. Chacune de ces palourdes a sa propre couleur, unique, ce qui fait d'elles des créatures visuellement étonnantes. Normalement, elles restent cachées et se nourrissent des sucres et des protéines produits par les algues. Et si tu trouves qu'être à la recherche d'une maison est une expérience stressante, alors tu peux avoir un peu de compassion pour la palourde géante. Elle vit dans les eaux chaudes du Pacifique Sud et de l'océan Indien. Mais avant de s'installer, elle doit trouver un endroit qui soit parfait. Il lui faut trouver le lieu idéal, un endroit avec du sable ou des récifs coralliens pour se sentir comme chez elle. C'est une quête primordiale parce que figure-toi que cette créature restera au même endroit pour le reste de sa vie. Si on ne les dérange pas, elles peuvent vivre plus de 100 ans. Numéro 6. L'araignée de mer géante. Ce crabe ressemble à quelque chose qu'on voit dans les jeux vidéo ou les films de science-fiction. Mon Dieu, regardez-moi ça! L'araignée de mer géante vit dans des eaux près du Japon. Ses pattes peuvent atteindre 3,5 mètres d'une griffe à l'autre et son corps peut mesurer jusqu'à 40 cm de diamètre, ce qui est assez petit comparé à leurs longs membres. Elle passe la plus grande partie de son temps à chercher des restes d'animaux, comme des mollusques et des crustacés pour se nourrir. Mais ne te laisse pas berner par l'aspect mince et quelque peu fragile de ce crabe. Sa grande taille lui permet d'éloigner la plupart des prédateurs. Et quand on décide de l'attaquer, son dur exosquelette lui offre une excellente protection. La forme de son dos l'aide également à se fondre dans l'environnement et à disparaître s'il le faut. C'est pourquoi l'araignée de mer géante peut vivre jusqu'à 100 ans lorsqu'on ne la dérange pas. Malheureusement, cette espèce est ciblée par l'industrie de la pêche et vendue comme un mets fin et cher au Japon. Elle arrive donc trop rarement à cet âge avancé. Numéro 5, le grand requin blanc. Le grand requin blanc tire son nom de la couleur de son ventre, blanc, qui diffère de son corps, qui est gris. Quant à la partie grande, c'est simplement parce que certains d'entre eux peuvent atteindre plus de 6 mètres de long. Un individu moyen mesure habituellement environ 5 mètres de long, ce qui en fait le plus grand poisson prédateur du monde. Ces animaux aiment se nourrir d'otaries, de phoques et de petites baleines. Grâce à sa solide queue et à son corps en forme de torpille, le grand blanc peut atteindre une vitesse de 56 km/h lorsqu'il poursuit sa proie. Ouais, ça veut dire que les humains n'ont aucune chance de s'échapper s'ils se retrouvent dans sa ligne de mire. En fait, les grands requins blancs sont responsables de plus de la moitié des attaques annuelles de requins signalées dans le monde. Ils ont un odorat très développé et peuvent renifler une minuscule goutte de sang diluée dans 100 litres d'eau. Donc si tu saignes même un tout petit peu, il est probablement plus judicieux d'éviter d'aller dans la mer. Numéro 4, le requin-baleine. Ne te laisse pas berner par son nom. C'est un requin, pas une baleine. Ces énormes poissons sont couverts de taches blanches qui sont toutes uniques. C'est plutôt joli, tu ne trouves pas? La taille du requin-baleine varie entre 5 et 10 mètres. Et il peut peser jusqu'à 20,6 tonnes. C'est 2 fois plus lourd que l'ancre de bateau de croisière. On pourrait imaginer que ces énormes poissons dévorent tout ce qui se trouve sur leur passage, mais en fait, ils préfèrent simplement manger du plancton. Les requins-baleines nagent la bouche grande ouverte, ce qui peut sembler amusant pour toi ou moi, mais qui est surtout un excellent moyen d'attraper des poissons, des plantes et d'autres petites formes de vie marine. Tout ce qu'il a à faire, c'est de nager, et sa bouche fait tout le travail à sa place. Tout comme les baleines à fanons, le requin-baleine possède un système de filtre qui lui sert à séparer la nourriture de l'eau. Numéro 3, le rorqual commun. Deuxième plus grand mammifère de la planète, leur orcale commun peut mesurer jusqu'à 26 mètres de long. C'est la longueur de 2 autobus scolaires. Il peut peser jusqu'à 75 tonnes, soit à peu près autant qu'une navette spatiale. La bonne nouvelle, c'est que leur orcale commun est un géant doux et gentil, qui se nourrit principalement de plancton et de petits organismes ressemblant à des crevettes, appelés krill. Ne t'attends pas à le voir près des côtes. Ces baleines préfèrent rester en pleine mer pour nager seules, en couple ou parfois en groupe. Un peu comme les humains, leur durée de vie est d'environ 85 à 90 ans. Malheureusement, comme beaucoup d'autres baleines, leur orcale commun est menacé par la pollution, les navires qui les frappent et les baleiniers qui continuent de les chasser, même si cette espèce est maintenant considérée en voie de disparition. Numéro 2, la méduse à crinière de lion. Son nom vient de ses 70 à 150 tentacules, qui sont de couleur rouge jaunâtre et qui pendent le long de son corps. Comme les autres méduses, elles sont très belles à regarder. Elles peuvent être de différentes couleurs, dont le rouge, le violet et avec certaines nuances d'orange. Sa tête en forme de cloche peut atteindre une taille d'environ 2 mètres de diamètre, mais ce n'est rien comparé à ses tentacules. Ils peuvent mesurer jusqu'à 37 mètres de long, ce qui place les méduses à crinière de lion parmi les animaux les plus longs du monde et certainement parmi les plus grandes espèces de méduses. Elles aiment flotter en pleine mer, où elles se nourrissent de zooplancton, de petits crustacés, de poissons et même d'autres types de méduses. Elles utilisent un dard situé sur leurs tentacules pour étourdir leur proie en leur injectant du venin. Une fois que c'est fait, elles déplacent leur prise jusqu'à leur bouche située sous leur corps. Que tu le crois ou non, la bouche d'une méduse lui sert aussi d'anus. Elle absorbe la nourriture et expulse les déchets. Sympa ça, dis-moi. Et si tout cela ne te paraît pas déjà assez impressionnant, sache que la méduse à crinière de lion est bioluminescente, ce qui signifie qu'elle peut briller dans le noir. Numéro 1, la baleine bleue. Rien que par sa taille, on peut dire que c'est une créature terrifiante. Leur orcale bleu est le plus gros animal que la planète ait jamais vu, et on le trouve encore dans les océans. Elle mesure entre 25 et 32 mètres de long, et pèse jusqu'à 200 tonnes. C'est aussi lourd qu'un Boeing 747 vide. Encore une fois, cette gigantesque créature est douce et gentille. Dieu merci. Ces baleines se nourrissent surtout de krill. En fait, elles peuvent en manger jusqu'à 4 tonnes par jour. Elles vivent dans tous les océans du monde, sauf dans les régions gelées de l'Arctique. En plus d'être le plus gros animal de la planète, la baleine bleue est aussi l'un des plus bruyants. Elles grognent, gémissent et émettent des impulsions dont on pense qu'elles sont capables d'atteindre d'autres baleines jusqu'à 1600 km de distance. Encore une fois, comme les humains, le orcale bleu vit jusqu'à 80 ou 90 ans. Bien qu'il ne soit pas spécifiquement la cible d'autres prédateurs, le plus gros danger pour leur survie est d'entrer en collision avec des navires. Et bien sûr, certains baleiniers illégaux ont même réussi à abattre ce pauvre géant, malgré son statut d'espèce protégée. Tu aimerais voir de près l'un de ces géants ou tu en as déjà rencontré un? Fais-le nous savoir dans les commentaires. Si tu as aimé plonger avec nous pour jeter un coup d'œil sur les plus grandes créatures de la mer, clique sur j'aime et partage cette vidéo avec tes amis. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et tu trouveras que la vie est beaucoup plus excitante du côté sympa.